Thank you.
something amazing is happening in the middle of the night. The BBC is launching a new service overnight on BBC television. It's called BBC Select. But don't worry, you won't have to stay up late to watch, because all BBC Select programmes are intended for recording on video, so that you can choose when to watch. At home or at work, you'll soon wake up to an additional range of programmes, specially designed to suit you, the viewer. You won't always see the full picture, because many BBC Select programmes will be scrambled. In order to watch, you'll need to pay a subscription. You'll also need a special decoder called a BBC Selector. During the night, it'll automatically trigger your video to record your chosen programmes. And you won't have to lift a finger to set the timer. BBC Select, a new choice in television viewing coming soon from the BBC. When you switch off, we switch on. Welcome to BBC Select's TV Edits. You're about to see a preview of a new language resource for advanced students of French and German, which we'll be transmitting in October, with new seasons of fresh material every year. We're also offering a taste of some Spanish material, which we plan to transmit next year. The idea behind TV Edits is simple. Authentic program extracts first broadcast on television in France, Germany and Spain are selected each year and grouped into themes. Here's a sample menu of the range of items we'll be covering in a future edition of France Panorama. The German and Spanish programs take a similar approach. We've highlights from documentaries, news reports, interviews and pop videos, as well as television adverts. In order to help you use the program easily, each edition of TV Edits has a clock in the right-hand corner and an index at the beginning with timings. Here's an extract from a recent edition of France Panorama, focusing on France and young people, using material from the archives of Antenne 2. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de France Panorama que nous allons essentiellement consacrer à la médecine et à l'enfance. Nous sommes ici devant l'hôpital Robert Debré, c'est l'un des principaux hôpitaux de l'assistance publique à Paris. Pour vous situer Robert Debré, sachez que c'est l'un des médecins qui a le plus contribué, comme ses confrères, à l'histoire de la médecine en France au début de ce siècle. Il était spécialiste des maladies infectieuses, spécialiste des maladies de l'enfance, spécialiste également de ce que l'on a appelé la pédiatrie sociale. Il y a dans cet hôpital Robert Debré plus de 500 lits, il y a également 650 médecins, qui s'occupe de 30 000 patients par an, parmi eux essentiellement des enfants. Nous allons donc parler des maladies de l'enfance. Un exemple, les maladies de rein. Pour en sortir, comme on dit, il faut souvent avoir recours à la greffe. La route de Castelnaudary à Toulouse, Christophe la connaît par cœur. Trois fois par semaine, Christophe, 11 ans, quitte l'école à midi pile. Direction le centre de dialyse où il retrouve Laetitia, Momo et tous les autres enfants insuffisants rénaux comme lui. Ce jour-là, comme tous les mercredis, pendant la séance de dialyse, il y avait cours de musique. Ça fait combien de temps que tu es en dialyse? 5 ans. 5 ans? Oui. C'est long, 5 ans? Ça paraît. Ils disent c'est la machine. La machine? Pourquoi? Parce que c'est trop long. Dans la bande des dialysés, Christophe, c'est le petit dernier. Il vient ici depuis un an. Un an, avec séance obligatoire de 3h30 chacune, tous les lundis, mercredis et vendredis, sans exception. Bon, Christophe, est-ce que tu es prêt? On y va? Et à chaque fois, c'est la même chose. Jaja, l'infirmière, doit planter 2 aiguilles dans l'avant-bras de Christophe. Allez, 1, 2, 3. Elle est dure. Une aiguille va aspirer le sang vers la machine. L'autre va réinjecter ce sang après filtrage et épuration des déchets. S'ils sont sous dialyse, c'est que leur rein ne marche plus. Pour de multiples raisons, il y a des différentes maladies rénales. Et on est obligé,
si on veut que le sang soit propre, de le nettoyer à la place des reins. Et c'est ce qui se passe dans les séances de dialyse. On nettoie le sang à la place des reins qui ne marchent pas. Et ce qu'ils attendent là, si on les prend en dialyse, c'est qu'ils sont là en attente d'un rein neuf, c'est-à-dire une greffe rénale qui sera possible pour l'ensemble de ces enfants. En attendant la greffe, Christophe mène une vie quasiment normale. Du moins, entre les séances de dialyse. Grâce à des injections d'érythropoïétine, une hormone synthétique qui corrige l'anémie, sa fatigue a disparu. Christophe est donc en presque pleine forme, même s'il n'est pas comme tous les autres enfants de son âge. D'abord, il est plus petit, à cause de sa maladie qui a bloqué en partie sa croissance. Et puis, à 11 ans en CM1, il sait bien qu'il a du retard à l'école. Aujourd'hui, toute la famille de Christophe vit au rythme des dialyses. Ça n'a pas toujours été facile à accepter. Ça y est ? J'admettais mal que mon fils doive dépendre d'une machine constamment comme ça, deux fois par semaine accroché à une machine pour vivre. Et en fait, petit à petit, cette idée s'était passée. Au contraire, je me suis dit, dialyse, c'est formidable, c'est dialyse. Grâce à ça, il peut vivre à peu près normalement. Qu'est-ce que tu aimerais le plus maintenant ? Être greffé. C'est long. C'est long et Christophe n'aime pas beaucoup en parler. Il préfère raconter ses dialyses autrement. Lundi à la dialyse, en se pesant sur la balance, on commence à avoir les temps, les yeux fixés sur les cadrans. Et quand les infirmières arrivent, on se dépêche d'aller manger pour être prêt à tout manger. On essaye dans la mesure du possible de leur faire suivre une vie normale, à peu près, malgré l'astreinte de la dialyse, trois fois par semaine, et c'est beaucoup. En France, ils sont plusieurs centaines, comme Christophe, à vivre rattachés à une machine, avec en plus un régime draconien, sans sel et sans chocolat. Pas facile quand on est un enfant, mais il faut tenir jusqu'au jour de la greffe. Alors, ils essayent de ne pas craquer. C'est en général à partir de 40 ans que les adultes commencent à se préoccuper de leur taux de cholestérol. En fait, il faut savoir que les enfants ne sont pas exempts de ces excès de graisse dans le sang. C'est la raison pour laquelle, dans un certain nombre d'établissements en France, des efforts sont faits dans les cantines pour mieux équilibrer les repas des demi-pensionnaires. Une piqûre à peine perceptible sur la pulpe du doigt, quelques gouttes de sang et Mathieu saura très vite quel est son taux de cholestérol dans le sang. Ils sont plus de 1000 élèves de 6e et de 5e à avoir ainsi été dépistés dans la vallée de la Fensch en Moselle. Et les résultats ont sacrément surpris les responsables de l'opération. 21% des enfants avaient un taux de cholestérol très élevé et 7% avaient un taux trop élevé. Grégory est dans ce cas. S'il a eu 17 en technologie, ce qui est bien, il a eu un peu plus de 2 en cholestérol, 2 grammes par litre bien sûr. Et ça, ce n'est pas bien, c'est beaucoup trop. Il faut dire que lui et ses camarades vivent dans une région où les traditions alimentaires expliquent un peu cet état de fait. Nous sommes une région où il y a énormément de charcuterie et on en consomme aussi beaucoup. Mais ce qui nous a surpris, ce sont donc la consommation chez les familles jeunes, surtout le soir. Ça veut dire que les habitudes ne se perdent pas et qu'on continue voilà, à manger. Voilà, on perpétue la tradition de la Lorraine, enfin de la Moselle, c'est-à-dire ce qu'on appelle le café au lait le soir. Donc un bol de café au lait avec de la charcuterie et du pain. La chance de Grégory, c'est qu'au collège d'Algrange, on mène depuis 4 ans une expérience d'éducation nutritionnelle. Grâce au Minitel, chaque élève peut composer à l'avance ses menus. 81 combinaisons possibles chaque semaine. Et au bout du compte, un menu édité en double, une copie pour les parents et une copie pour la cuisine. Françoise, la cuisinière, n'a pas hésité à faire une cuisine plus diététique. Il faut dire qu'elle est concernée, ses enfants fréquentent la même école. Et à côté des spécialités du terroir ou du cassoulet de Toulouse, on peut manger aussi de la dinde et des légumes verts. La table devient un lieu d'éducation. Elle
Un enfant sur deux mange en restauration collective, en cantine scolaire. Et notre hypothèse est de dire si cette cantine doit être scolaire, c'est qu'elle doit être éducative. Et en apprenant le choix aux enfants, on peut réaliser, à travers la cantine, une éducation. Et une éducation à l'alimentation. Et vous pensez que, par exemple, les parents à la maison sont suffisamment motivés pour poursuivre le travail que vous faites ici ? Oui, parce que le meilleur porteur d'information, c'est l'enfant. Vous savez combien l'enfant peut dans sa famille. Donc à partir du moment où lui adhère complètement à ce choix, qu'il le fait avec plaisir, la répercussion se fait en famille. Quatre escalopes de dalle, s'il vous plaît. Lionella, la maman de Grégory, a adhéré sans problème au projet éducatif du collège. Pour ses trois enfants, elle essaie de varier l'alimentation, autant que ses moyens lui permettent. Et puis, elle n'oublie pas de prendre un soin particulier de Grégory et de son cholestérol un peu haut. J'évite des boissons un peu trop sucrées, des bâtons de confiserie, des bonbons. Parce que, bon, bah, il est très gourmand, même les gâteaux secs, j'évite d'en avoir à la maison parce qu'il est gourmand. On peut faire des repas équilibrés, même si mon mari n'est pas tellement équilibré, mais au moins on essaye pour les enfants. Vous n'avez pas mis quand même toute la famille au régime ? Non, impossible. Non, impossible. Alors là. La faute à qui ? La faute à qui ? À mon mari. Le mari, c'est Michel, MeToo pour les amis. MeToo aime les pâtes riches, très riches même, et le cholestérol, ce n'est pas vraiment son angoisse. Et pourtant, si Grégory a un peu trop de cholestérol, il y a sûrement une cause alimentaire, mais aussi un facteur héréditaire. Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu des problèmes de cholestérol dans votre famille ? Mon frère. Des problèmes graves, non ? Apparemment, non. Il avait fait un infarctus, ils ont découvert qu'il avait un taux de cholestérol trop élevé. Ouais. Il a fait la... Il a surveillé pendant 2 ans, il s'est surveillé. Quoi. Ouais. Et puis il a eu la mutation de travail. Ça l'a un peu déçu. Et puis il a mangé avec ses copains là où il était au Luxembourg, hein, au travail. Il était dans la mine ? Il était à la mine, ouais, au bureau. Ouais. Et il n'a plus fait attention. Et puis c'était un joueur de foot. Il a fait des matchs. Et malgré ça, on lui avait interdit de jouer parce que. Vu son premier infarctus, et puis il avait une embolie sur le terrain de foot. Et il est mort. Il est mort. Et dans le reste de la famille, il y a d'autres personnes qui ont eu des problèmes. Vous avez un cholestérol normal ? Normal. Et le reste de la famille, même du côté de votre femme, personne n'a de problème ? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Il y a donc juste que Grégory, en ce moment, qui a des chiffres un peu élevés. Alors, j'étais même surpris, quoi. Ouais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toute la famille est au régime ? Ah non, pas question. Et par besoin, vous avez rappelé ? Ce qui se passe à Algrange est exemplaire. En introduisant l'éducation nutritionnelle dans la vie des collégiens, l'école s'ouvre de plein pied sur la vie de tous les jours et elle propose aux parents de s'associer à cette démarche. Le tout est de savoir si ces derniers auront le temps, les moyens et la volonté de s'impliquer. En tout cas, pour Grégory, changer doucement sa vie aujourd'hui, c'est éviter de se la gâcher beaucoup plus tard. Voici l'histoire de Tanti. Son école à Bien Hoa, Vietnam. Tanti a 7 ans. Une petite fille comme les autres, ou presque. Car ce que Tanti ne saura jamais compter, ce sont les mois qui lui restent à vivre. Cardiaque, elle est condamnée. Pour la sauver à tout prix, ses parents ont fait des dizaines de fois le voyage jusqu'à Ho Chi Minh-ville, jusqu'au médecin venu de France, au nom de la chaîne de l'espoir, la dernière chance pour Tanti. Elle fait des bronchites à répétition, elle a 7 ans, elle paraît 5 ans, et elle est toujours menacée. Il s'agit d'une malformation de naissance assez fréquente, c'est une communication entre deux cavités cardiaques, c'est-à-dire que du côté pulmonaire, il y a 3 fois plus de sang qui passe que dans le corps. Donc on voit très bien la surcharge de la circulation dans les poumons. Il y a un trou, il faut le boucher. Voilà. Cette consultation avec les médecins français à l'hôpital Touzou, c'est le dernier espoir des parents. Pour les enfants, c'est une question de vie ou de mort. Alors, comme Tanti, ils viennent de loin, de tout le Vietnam, plusieurs jours de voyage parfois, pour quelques minutes d'examen. Mais qu'importe, dans leur course contre la maladie, ils sont prêts à tout. Même à voir partir leur enfant pour la France, sans savoir s'il reviendra. Ce matin, Tanti part pour la France. C'est son nom que les médecins ont retenu. L'urgence les a décidés. Sans intervention chirurgicale, la petite fille n'aurait plus que 2 ans à vivre.
Tanti n'a pas tout compris, mais elle n'a pas posé de questions. Sur la gravité de sa maladie, l'inquiétude de ses parents, la date de son retour. Elle sait seulement qu'elle devra partir seule et que dans son village, on l'attendra. Tanti est le troisième enfant que les barbiers accueillent pour la chaîne de l'espoir. On essaie d'imaginer la tête de l'enfant, on se dit bon, comment il est et tout, comment ça va se passer aussi. Et puis finalement, ben, à chaque fois, ça se passe bien, parce que bon, c'est vrai qu'avec les enfants, il n'y a jamais de problème. Tu viens ? Hôpital Brousset, à Paris. C'est la consultation du mercredi matin, celle des enfants de la chaîne de l'espoir. Il y a là Elena de Kiev, Tahrir du Cambodge, Vidali de Brazzaville et bien sûr Tanti de Biennois. C'est sous la protection de sa nouvelle famille que commence son parcours du combattant. Les premiers examens au Vietnam avaient donné l'alerte. Cette fois, l'échographie révèle que le cœur de Tanti est beaucoup plus atteint qu'il n'y paraissait. Tanti souffre d'une double malformation congénitale. On a toujours une certaine appréhension avant une opération. Mais bon, on attend. Là, on a assez, quand même assez confiance au médecin et à l'anesthésiste qu'on connaît bien. Et justement, bon, j'attends midi qu'elle m'appelle pour me dire comment ça s'est passé. Ça fait simplement 2 jours que vous vous êtes rencontrées, oui. Toutes les deux. Oui. Vous-même, vous avez 3 enfants. Oui. Comment ça se passe dans votre tête par rapport à tout ça ? Entre elle, vos enfants, vous êtes là avec elle. Oui, mais ça se passe très bien. Il y a eu la première matinée, bon, où c'était peut-être un peu plus difficile parce que bon, elle venait de quitter son pays, c'est vrai, c'était pas évident. Et ensuite, elle a pas mal dormi, ce qui fait qu'elle s'est bien reposée. Et depuis, elle joue avec les enfants, comme si elle était là depuis tout le temps. Ça y est, elle est dans la famille. Elle est bien intégrée. Vous vous sentez responsable d'elle ? Oui. Oui. Ce voyage en France, c'est notre plus grand espoir pour que Tanti soit enfin guérie. J'ai hâte qu'elle soit là-bas et en même temps, j'ai peur de la voir s'éloigner. Je me demande comment l'opération va se passer et si elle reviendra. Autour du cœur de Tanti, côte à côte, chirurgiens français et vietnamiens en formation. Ceux-là même qui, l'année prochaine, opéreront leurs enfants à l'Institut du Cœur d'Hô-Chi-Minh. À cœur ouvert, ils se sont battus 4 heures durant pour sauver Tanti. De longues minutes entre leurs mains, le cœur s'est arrêté de battre, comme pour mieux permettre aux médecins de l'aider à repartir. Ça, c'était une opération très difficile. Très difficile. Disons que pour prendre une image, une greffe cardiaque est beaucoup plus facile. On ne peut se prononcer que dans 24 heures. Il y a une étape qui est passée, c'est la chirurgie. Puis maintenant, il y a l'étape de la réanimation. C'est 12 à 24 heures. Pour Tanti, la partie n'est pas encore gagnée. Pour les médecins, c'est le dernier combat à livrer ensemble contre ce long sommeil dont il faut tirer la fillette pour l'aider à reprendre son souffle et la ramener définitivement à la vie. Un à un, les maillons de la chaîne de l'espoir se sont resserrés autour de Tanti. Pour elle, comme pour tous les enfants opérés, le prix de la vie est le même. L'assistance publique de Paris partage les dépenses d'hospitalisation avec Médecins du Monde. Une clinique assure les convalescences. Les familles, les médecins, tous bénévoles font le reste, c'est-à-dire l'essentiel. Ils ont besoin de famille, justement, pour accueillir ces enfants. Sans famille, ces enfants ne pourraient pas venir. Donc, plus il y a de famille, c'est sûr, plus il y a d'enfants qui seront opérés et plus il y aura d'enfants qui seront sauvés. Tanti, elle est là, avec sa petite sœur, son papa, sa maman. T'as vu, Clou ? Hein, le petit garçon qui était là avant toi ? Tanti aura passé 2 semaines dans sa famille d'accueil. Comme les autres enfants qui l'ont précédée, elle a déjà sa place dans l'album de photos des Barbies. T'as vu, là, il danse. Avant-hier, Tanti est rentrée chez elle, au Vietnam, définitivement guérie. Dum 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 dum.
Bon, et ça tient toujours pour ce soir? Tu viens dîner à la maison? Ok, salut Franck. Franck. Les croquettes Miaou Mix de Fido, aux viandes ou aux poissons, aux légumes, aux sels minéraux et au calcium, apportent à votre chat vitalité et équilibre. Bonsoir Franck. Miaou Mix, votre chat sait combien c'est vital pour lui. Fido, goûtez et approuvez. Toute feuille de Marie pour un petit dîner en amoureux, on sait vivre. Cela dit, je me demande si le plat vous avez choisi. Jolie nappe, bougies, fleurs, salade composée. Toute feuille bientôt prête, lumière tamisée et robe sexy. Alors, quelque chose à redire, monsieur Marie? Ah non, 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 c'est parfait. Je vais vous laisser. Pas question, vous êtes là, vous restez. Les tourtefeuilles de Marie, ce n'est pas parce que c'est déjà fait qu'il ne faut rien faire. Hommage maintenant à la jeunesse, elle a 17 ans, elle s'appelle Surya Bonali, elle est française, elle est originaire de La Réunion, elle est aussi championne d'Europe de patinage artistique. Le bonheur souriant de Surya Bonali. Le petit soleil, c'est la traduction de son prénom, c'était bien elle, hier, dans cette patinoire de Sofia, toute rayonnante, après son titre de championne d'Europe. Et pourtant, cela n'avait pas commencé pour le mieux. Après une minute d'exhibition, sur une triple boucle, Surya chute. Mais il en faut plus que cela pour la démoraliser. Deuxième, après le programme court, elle sait qu'elle peut enflammer la patinoire dans son programme libre, et elle le fait. Démonstration remarquable, deux minutes au cours desquelles elle enchaîne avec un sens artistique nettement amélioré les plus grandes difficultés techniques. Non seulement elle récupère sa triple boucle ratée précédemment, mais elle réalise six triples sauts dont cinq différents. La pirouette Billman en fin de programme finit de dégeler l'atmosphère et c'est sous les ovations que Surya Bonali entre dans l'histoire en devenant la première française championne d'Europe. There'll be 10 editions of France Panorama on offer in the first year. For students of German, 8 editions of Deutschland heute will show some of the political and economic challenges facing the new Germany today. Here's the presenter Jens Tronicker introducing one of the first programs. Wir befinden uns in einer Wohngegend am Prenzlauer Berg, in einer der dicht besiedelten Gegenden im östlichen Teil Berlins. Hinter uns ein großes Neubaugebiet mit Wohnungen, die 1986 fertiggestellt wurden. Aber es gibt in dieser Gegend noch eine Menge Altbauwohnungen in Wohnhäusern, die unbedingt restauriert werden müssten. Eine große Frage ist, wie der Aufbau der neuen Bundesländer finanziert wird und was Priorität hat. Die Restaurierung von Wohnungen oder die Restaurierung von Kunstdenkmälern. Wir fragen dazu einmal einige Leute, die in dieser Gegend wohnen. Das Geld für den Aufbau ist ja recht knapp. Wofür würden Sie das Geld verwenden? Für die Restaurierung von Wohnungen oder für die Restaurierung von Kunstdenkmälern? Tja, das ist schwierig, ja. Also Wohnungen würde ich mir vorziehen, weil hier gerade in unserem Bezirk so viel schlechte Wohnungen gibt, ja, und weil ja so viele Menschen sind, die nach Wohnungen suchen und in ganz schlechten Verhältnissen leben, ja, da würde ich mir Wohnungen vorziehen, obwohl ich eigentlich Kunstdenkmäler auch sehr schön finde, ja. Wenn Sie Kulturstätten besuchen, gibt es ja sicherlich auch einige, die Ihnen sehr gut gefallen. Welche würden Sie fördern, wenn Sie Geld hätten? Theater. Also ich interessiere mich für Theater sehr.
für leichte Musik. Vorrangig Restaurierung von Wohnungen. Warum? Weil da der Bedarf so groß ist und die Substanz der Wohnung so schlecht ist, dass das erstmal vorgeht. Wir sehen uns jetzt einen anderen Teil Berlins an, den Stadtteil Marzahn, Deutschlands größte Neubausiedlung. Dieser Stadtteil wurde erst vor wenigen Jahren als Schaustück sozialistischer Architektur errichtet. Heute gibt es hier enorme Probleme. Berlin-Marzahn, Deutschlands größte Neubausiedlung. Einst Vorzeigeobjekt, so sollte die sozialistische Lösung der Wohnungsnot aussehen. In nur 14 Jahren wurden hier über 50.000 Wohnungen aufeinander geklotzt. Und 150.000 Menschen leben in solchen Plattenbauten. Nach der Mieterhöhung in den neuen Ländern haben die Wohnungsbaugesellschaften alle Hände voll zu tun, auf die Fragen und Nöte der Mieter einzugehen. Die Stimmung ist gereizt. Für uns Rentner furchtbar. Können Sie sich das vorstellen? Wir müssen statt 428 zahlen. Die typische Dreiraumwohnung, 68 Quadratmeter. Arbeiterschließfach, wie man hier spottet. Familie Zechel wohnt hier mit ihren zwei Kindern. Die Wohnung wurde in Eigenregie aufgemöbelt. Auch hier hat sich die Miete jetzt vervierfacht. Dass mehr gezahlt werden muss, ist ihnen klar. Doch möchte man auch etwas haben für sein Geld. Also im Verhältnis jetzt zu der Miete vorher und wie sie eben jetzt ist, hat sich von der Qualität her eigentlich überhaupt nichts verbessert. Ja, die Fenster sind nach wie vor undicht und die Türen und... Man hat ja auch höhere Ansprüche, denn wenn man mehr Miete zahlen soll. Und da muss eben erheblich noch mal getan werden. Vom undichten Dach über mangelnde Wärmedämmung bis hin zur defekten Heizung reicht die Mängelliste schon auf 7 Jahren. Seit einer Woche steht hier die erste neue energiesparende Heizanlage. 260 davon werden gebraucht. Durch Mieterhöhungen allein schaffen es die Wohnungsbaugesellschaften nicht. Hin und wieder muss auch ein Haus zu seinem Hausarzt. Oh. Deshalb braucht auch ein Haus eine Krankenversicherung. Der nächste, bitte. Ja. Es müsste auch für Häuser eine Kasse geben. Gibt's doch. Ihre Bausparkasse. Oh. Ihre LBS, die Krankenversicherung für Ihr Haus. LBS, die Bausparkasse der Sparkassen. Zahnstein kommt immer wieder und muss vom Zahnarzt entfernt werden. Aber Sie können sich vor Zahnstein schützen. Mit Blender Med Formel Z. Einer Zahncreme, die bei jedem Zähneputzen vor Zahnstein schützt. Denn sie kommt von der Blender Med Forschung. Blender Med Formel Z schützt vor Zahnstein. Ich stehe hier vor einer der vielen beliebten Indiskotheken in Berlin. Aber ich möchte Ihnen jetzt eine Diskothek vorstellen, in die auch schon 14-Jährige gehen können. Denn dort wird absolut kein Alkohol verkauft. Eine Null-Promille-Diskothek. Wer noch vor einem Jahr behauptet hätte, eine alkoholfreie Diskothek würde ein Knüller werden, der wäre sicherlich von den professionellen Diskomachern ausgelacht worden. Dass aber gerade die Null-Promille-Disco in Hagen der absolute Renner ist, beweisen die Massen von Jugendlichen, die es vor allem am Wochenende ins Live zieht. Man kommt aus Hagen und Umgebung, um hier bei Banana Fizz statt Whisky Cola das Tanzbein zu schwingen. Innen drin sieht es aus wie in jeder anderen guten Disco. Aufmachung und Musik sind up to date. Niedriger Eintrittspreis, kein Verzehrzwang und spottbillige alkoholfreie Getränke, das macht die Hagener 0-Promille-Disco für die Jugendlichen zusätzlich attraktiv. 1600 Watt in den Lautsprechern, 0-Promille im Glas, das ist der Werbeslogan der Gebrüder Manfred und Matthias Schenk, die Macher dieser einmaligen Diskothek. Warum überhaupt eine alkoholfreie Diskothek? Ja, bei uns beiden war es so, wir kamen aus der Jugendarbeit. Und uns war klar, wenn wir das machen, dann nur alkoholfrei, weil wir da sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Da konnten die Leute zusammenkommen und hatten auch Spaß ohne Alkohol. Und deshalb... Weniger Brutalität, weniger Schlägereien? Ja, das so und so, klar. Und wir haben sehr viel schlechte Erfahrungen gemacht. Man hört auch in Statistiken und so sehr viel darüber, dass halt ja, der Jugendalkoholismus ziemlich hoch ist und das ist hier nicht gegeben. Hier ist eine Chance, zusammenzukommen ohne Alkohol. Und das finde ich sehr wichtig. Auch ohne Bier und Schnaps ist die Getränkekarte nicht langweilig. 50 Null-Promille-Drinks stehen zur Auswahl. Da
Da gibt es den Horrorshake, den Golden Fist, den Bademeister Flip und den Movie 2000. Zusätzlich Säfte, Limos, Cocktails, Kaffee und Tee. Alles nicht teurer als 3 Mark. Was halten die jugendlichen Besucher eigentlich von der Null-Promille-Regelung? Ich kann auch ohne Alkohol leben und ich finde das eigentlich auch ganz toll. Also jetzt ohne Alkohol, weil können beispielsweise auch schon Jugendliche ab 14 Jahre rein. Das halte ich eigentlich für ganz cool. Das ist eine tolle Idee. In der ehemaligen DDR gehörten über 90% aller Geschäfte und Betriebe dem Staat. Der Staat bestimmte auch, was und wie viel produziert werden musste und was in den Geschäften verkauft werden durfte. Allerdings waren die Geschäftsauslagen oft ziemlich leer. Und wenn es dann doch mal ab und zu etwas Besonderes zu kaufen gab, musste man sich sehr, sehr lange dafür anstellen. Heute ist das glücklicherweise anders. Wie findest du das Angebot hier in diesem Geschäft? Ja, es ist eigentlich schon ziemlich alles da, was man so braucht. Und ja, also man hat eben wahnsinnig die Auswahl, Vielfalt eben schon mal. Hier sieht so an den Marmeladen, da hat man jetzt so 5, 6, 7 Sorten und das gab es früher eben alles nicht. Dann muss man nehmen, was da war. Ist das für dich ein Vorteil oder ein Nachteil? Oder ist die Auswahl für dich ein bisschen verwirrend? Ist natürlich schon verwirrend, also zum kleinen Laden noch nicht, aber wenn man in größere Läden geht, dann wird man förmlich erschlagen von der Vielfalt und von dem Angebot eben. Das ist ziemlich krass. Also man möchte sich ziemlich viel kaufen, aber hat oft das Geld nicht dazu. Das ist auch eine Problematik und dann ist es eben schwer. Darf ich Sie einfach mal fragen, was hat sich für Sie beim Einkaufen nach der Wende verändert? Das kann ich Ihnen sagen. Bei uns hatte sich das Angebot in der letzten Zeit auch verbessert und auch in dem Versuch, vielseitiger zu sein. Aber Sie sind da irgendwie flexibler. Ja. Und sie haben manchmal eine verblüffende Vielseitigkeit, dass man gar nicht weiß, welches Sortiment man wählen soll. Ja, das ist der Unterschied zu der damaligen DDR, zu ihnen. Ja. Und da muss man sehr aufpassen, was man eigentlich will, weil man sonst untergeht bei ihnen. Ja. Sie sind irgendwie in der Wirtschaft leichter, ja, wenn sie etwas ändern wollen. Und da muss man nun seinen Geschmack sortieren. Ja. Wie kommen Sie denn damit persönlich zurecht? Ja, ich nehme meinen Berliner Geschmack. Und die Berliner Kost ist etwas einfach, weil wir so quantitiert sind in jeder Hinsicht. Mhm. Und da wähle ich am liebsten das Einfache, das Solide, und experimentiere nur ab und an. Wie sieht es mit den Preisen aus? Ich muss sagen, die Preise sind eigentlich erschwinglich und entsprechen den Qualitätswerten. Anders kann ich es nicht sagen. Jetzt möchte ich euch mit den Prinzen bekannt machen. Es ist eine Gruppe aus Leipzig. 4 von ihnen sangen im Leipziger Thomanerchor, einer von ihnen im Dresdner Kreuzchor. Und das folgende Lied wird euch ganz bestimmt gefallen. So richtig zum Mitsingen. Ich wär so gerne Millionär, dann wär mein Konto niemals leer. Ich wär so gerne Millionär, millionenschwer. Ich wär so gerne Millionär. Ich hab ein großes Maul, bin weder Doktor noch Professor, aber